Je veux que tu sois de la joie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que je suis de la joie. Laisse-moi me dire, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas nous être tristes. Mais ce matin, nous sommes, nous voulons être. Alléluia. C'est pourquoi on va chanter ce cantique.
Je suis dans la joie, tu es dans la joie. Jésus est mon sauveur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, tu es dans la joie. Jésus est mon sauveur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, tu es dans la joie. Jésus m'a libéré, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, tu es dans la joie. Jésus m'a libéré, je suis dans la joie, tu es dans la joie. Jésus nous a gardés, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie, tu es dans la joie. Jésus est mon sauveur, je suis dans la joie. Jésus est mon sauveur, je suis dans la joie. Jésus est ma libérée, je suis dans la joie. Mon Dieu nous a gardés, je suis dans la joie. Il a tout battu pour nous, je suis dans la joie. Il nous a habillés. Et ça ne fait pas ça depuis jamais. Dans le ciel, il y a la joie.
Oh.
Yeah.
Oh, yeah, man.
Hey!
Thank you.
Thank you.
Jésus, la croix de la salette, tout bruit, tout chaque bruit qu'on peut faire, tu me soulèves la table là, mais ça c'est la guerre. Parce que tu acclames le droit de roi. Alléluia. On dit acclamer Jésus, on sait qu'il est en bruit. Alléluia. Alléluia. Parce que celui que tu dois acclamer là, c'est celui-là qui t'a gardé tout le monde. Jésus Christ, un petit peu un peu. Je viens prendre le bon fou. Jésus. Est-ce qu'il y a le fou de Jésus ici? Jésus. Alléluia.
Et la septième fois, j'ai commencé à clamer. J'ai commencé à louer. Alléluia. Et la Bible dit que le coup de Jésus pouvait tomber. Mais pendant que tu parles, pendant que tu acclames, pendant que tu cries, regarde, tout ce qui est mouillé dans ta vie commence à tomber. La calumage va recevoir une prière. Mais c'est comment est-ce que tu reçois le pénal dans ta vie? C'est comment est-ce que tu le glorifies ou tu le bénéficies? C'est comment est-ce que tu le magnifies? Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi je veux te dire de la joie, même si tu n'as pas mangé hier Jésus-Christ, c'est Dieu. Est-ce que tu viens de comprendre ce matin? Alléluia! Même si ton mari t'a pas dit que je t'aime là, Jésus-Christ, c'est. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. La Bible dit qu'il avait même hier aujourd'hui éternellement. Alléluia! Donc notre vie là, c'est tourné. On est condamné à le louer, à l'adorer, à le magnifier. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi avec cette joie-là, tu vas se déranger. Tu vas mettre ça, tu vas dire je t'aime dans l'amour de Jésus. Tu vas voir ton frère, tu as dit je t'aime dans l'amour de Jésus. Allez, donnez un shalom à ton frère, donnez un shalom à ta soeur. Dis-lui que je t'aime dans l'amour de Jésus. Allez, un shalom de paix. Pendant que tu t'aimes le shalom à ton frère, à ta soeur. Là, la colère commence à tomber. Le minuit, le tout minuit commence à tomber. Donnez de l'amour de Jésus. 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 Oh, je t'aime de l'amour de 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 Jésus. Jésus, oh, je t'aime de l'amour de Jésus. Le Seigneur est vivant. C'est qui Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur est fidèle. C'est qui dit alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis que si tu es ici, c'est que tu n'es pas ailleurs. Alléluia.
Si tu es ici, c'est que tu n'es pas ailleurs. Et si tu n'es pas ailleurs, c'est que tu es en présence du véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimé Jésus-Christ, la Bible dit qu'il ne dort le sommeil à cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? Toi, tu dors. Tu dors. Mais lui, il est là et il est là comme ça. Il est là comme ça. Mon petit, mon fils, ma fille, ne la couchez pas. Yeah. Si le Seigneur ouvre seulement tes yeux, tu vas voir combien de fois le Seigneur combat pour toi. Alors ce matin-là, tu ne dois pas fermer la bouche. Alors ce matin-là, cette bouche-là, tu vas pour le mal. Ce matin. Merci à Dieu. Hé, petit, ça a commencé. Hein? Tu vas prendre cette bouche et commencer à dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et là, la voix commence à bénir son nom. Là, la voix commence à lui dire merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. La puissance est là. Dis-lui merci. Et là, la voix commence à bénir le nom de Dieu. Dis-lui merci. Ah, dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Et là, la voix de la mort est passée. Parle à Jésus. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Et la voix de la mort est passée. Dis-lui merci. Alléluia.
Seigneur Jésus-Christ, tu vas crier à Dieu
Tu vas crier à Abba. Tu vas crier à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle-moi de moi ce matin. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle à Dieu ce matin. Regarde ta vie. Tu passes ton temps à calomnier. Tu passes ton temps à médiser. Tu passes ton temps à raconter des mensonges. Tu passes ton temps à voler. Bien-aimé, voler, c'est quoi? Aller dans une banque, la pierre dans une sauce qui ne m'appartient pas. Même si c'est toi qui es payé, même si c'est toi qui es donné l'argent du marché, tu n'as pas le droit de prendre la pierre de la sauce sans dire ta femme. Bien-aimé, ça fait de toi un voleur. Demande pardon, bébé. Tu passes ton temps à critiquer la chair, la chose. Demande pardon, bébé. Regarde ton cœur. Habite-toi et tu ne sens pas une chrétienne. Mais au-delà de toi, c'est la tristesse. Au-delà de toi, c'est la pourriture. Au-delà de toi, c'est l'orgueil. Au-delà de toi, c'est la méchanceté. Au-delà de toi, c'est tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Bébé. Alors parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la convoitise est un péché. La convoitise, c'est toucher avec une personne spirituellement. Il est marié, tu la convoites pour toi. Elle est mariée, tu la convoites pour toi. Oh Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. C'est dans le plan de Dieu et tu m'écoutes. C'est dans le plan de Dieu et tu m'écoutes avec Dieu. On te dit de prier, tu ne prie pas. On te dit d'adorer Dieu, tu n'attends pas Dieu. C'est dans le plan de Dieu et ta prière et tes pensées sont ailleurs. Réponds-toi ce matin. Tu peux t'asseoir avec des amis pendant que j'ai besoin de soi. Mais tu peux le faire pour 15 minutes. Tu n'as pas le temps de méditer. Dans la parole de Dieu, tu crois. Médite ma parole pour des jours. Et ne parle pas à Dieu ce matin. Et ne parle pas à Dieu ce matin. Parle-lui d'un cœur sincère. Parle-lui d'un cœur sincère. Combien de fois ton frère a eu des problèmes? Et tu t'es mis dans ton coin pour le critiquer. On est approché de lui pour lui parler. Mais tu te mets derrière lui pour le critiquer. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. Tout ce péché, la vie de ma cause, mon péché. Il n'y a personne qui est saint devant l'Éternel. La vie de prière, la soeur, la soeur. J'ai compris le temps d'appuyer sur ton frère. Ton frère a des problèmes. Comment est-ce que tu vas se trouver dans la prière? Et quand tu pries, est-ce que tu pries pour les hommes de Dieu? Est-ce que tu pries pour les dépenses? Est-ce que tu pries pour les intercesseurs? Est-ce que tu pries pour l'église? C'est un péché de l'année. Tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ta poche. Ton mari a pris la première place dans ton cœur. Tes enfants ont pris la première place dans ton cœur. Ton travail a pris la première place dans ton cœur. Tu as pardonné le nom de Dieu.
Tu as abandonné la paix de Dieu. Tu n'es pas à ton poste qui réveille. Tu n'es pas à ton poste qui réveille. Oh, dis-moi pas ta mère. On dit moi Jésus, on dit moi pas ta promesse a pris la place. On dit moi pas ta tu as donné assez de temps pour des activités et un tout petit temps pour Dieu. On dit moi pas ta on dit moi pas ta il n'est pas à Dieu. Pas à Dieu, il n'est pas à Dieu. L'obscurité envahit mon chemin. Par la Dieu, bébé. Conduis-moi par ta main. Le cœur est un réceptionniste. Conduis-moi par ta main. Bébé, le péché commence à partir du cœur et des yeux. Conduis-moi par ta main. C'est ça que tes yeux revoient que le cœur va accepter. L'obscurité envahit mon chemin. Alors tu vas parler à ton cœur ce matin. Conduis-moi par ta main. Parle à ton cœur ce matin. Dis à Dieu d'ôter la pierre qui se trouve dans ton cœur. Tu as tissu ton cœur devant la parole de Dieu. Tu n'as pas une vie de repentance. Tu n'as pas une vie de repentance. L'humilité n'est pas en toi. Un enfant de Dieu doit être rempli de vertus de l'éternel. Où sont les vertus de Dieu dans ta vie? La colère, les disputes, la jalousie, la haine. Par la Dieu ce matin, je par la Dieu ce matin. De ta maison, Seigneur. Le mensonge a pas pris ton cœur, bien-aimé. Car la Bible dit que la montagne ne doit pas la voir des cieux. Bien-aimé, c'est un péché. Joseph, le péché est large. Seigneur, aide-moi. Si à l'éternel il t'aide ce matin, bien-aimé. Tu connais ton péché. Tu sais ce que tu traverses. Tu connais ta situation. Tu connais ta vie. Tu sais la masturbation. Traite avec la masturbation. Tu sais la publicité. Traite avec la publicité. Si c'est le mal, le mensonge, traite avec toi. Tu lâches, bien-aimé. Tu lâches. Et laisse l'esprit de Dieu prendre dessus. Mais tu résistes. Tu résistes. Aide-moi à guérir le mensonge. Seigneur, aide-moi. Tiens, Dieu ne t'aide ce matin, bien aimé. Qui a l'éternel? Car le secours nous vient de l'éternel. Car la vérité est juste pour nous pardonner nos péchés. Car nous nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas à nous. Et nous nous faisons mentir. Nous faisons de l'éternel le menteur. Bien-aimé, arrête de crucifier l'éternel. Arrête de le couler encore sur la croix. Pas comme ton frère et pas ton péché. Arrête de crucifier Jésus, bien-aimé. Arrête. Aide-moi à quitter la prétention. Oui, Seigneur, aide-nous ce matin. Seigneur, aide-nous ce matin à quitter le péché. Oui, Éternel, aide-nous à abandonner notre fille de misère. Oui, Éternel, aide-nous à abandonner cette sale vie. Oui, Éternel, aide-nous à abandonner cette fille, cette vie pécheresse. Oui, Éternel, aide-nous ce matin. Jésus, donne-lui ton cœur, bien-aimé. Le cœur de Dieu sèche ce matin, bien-aimé.
Oui, le cœur de Dieu saigne ce matin. Aide-moi à quitter la convoitise. Seigneur, aide-moi. La publicité a accompli Jésus de terre. Pourquoi? Seigneur, aide-moi. Le Dieu que tu la donnes, tu sais quoi que c'est un don de Seigneur. Seigneur, aide-moi. Regarde tes pensées. Regarde tes pensées où elles vont. Oh, Seigneur, pourquoi moi c'est ton mari comme mon mari? Oh, ce fille était ma femme. Oh, s'il y avait cette voiture-là. Mais tu n'as jamais dit dans tes pensées. Oh, Seigneur, fais de moi un homme de Dieu, fais de moi une femme, une femme qui a une vie de prière. Seigneur, je veux prier pour les malades qui sont guéris. Mais ta pensée, c'est sur les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Les voix guidées, les péchés, Seigneur, tes désirs sont portés sur les choses, des choses vanitées. Tes désirs sont portés sur les belles choses, les voitures, les maisons, le mariage. Mais où tu as laissé Jésus? Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta prière? Dans mon état, Dieu t'a fait un quoi? Soutiens. Oui, éternel, soutiens ma vie ce matin. Soutiens ma vie ce matin. Tu es mon pilier, tu es mon rocher ce matin, éternel. Je m'appuie sur toi ce matin, éternel. Soutiens ma vie, oh Jésus. Soutiens ma vie, éternel. Soutiens ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Jésus. Recherche mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Jésus est la paix, recherche mon âme. Oh, Seigneur, tu t'es la voix. Alléluia. Voilà Jésus, bien-aimé, tu vas répéter après moi. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, de mes péchés, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ma sentence. Sans reproche. Dans ton jugement. Voici. Je suis né dans l'iniquité. Ma vie est péché. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh éternel. Seigneur, Seigneur, lave-moi, par ton sang ce matin, purifie-moi, par ton sang ce matin, Seigneur, lave-moi, éternel, lave-moi, bien-aimé, évoque le sang de Jésus sur ta vie, commence à évoquer le sang de Jésus sur ta vie, réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et vois le sang de Jésus ta vie. Dis à Dieu de te laver, de te sanctifier, de te purifier par ton esprit. Dis à Dieu de laver ton cœur ce matin avec son sang. Ce matin, dis à Dieu ce matin de te purifier,
réclame le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus puissant que le bélier. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des taureaux et des moutons. Réclame le sang de Jésus. Il dit celui qui boit le sang à la vie. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Je ne veux pas boire, dis, je bois le sang de Jésus. Mais je bois le sang de Jésus en vérité, en esprit. Voilà que tu sois en train de boire le sang de Jésus. Le péché qui te fatigue va commencer à sortir. Sois en esprit. Voilà que tu sois en train de boire le sang de Jésus. Bois-le en esprit. Cela commence à sortir par le paiement. Cela commence à sortir par la puce. Bois le sang de Jésus en esprit, en vérité. Si tu bailles, ne te retiens pas. Les esprits sont en train de sortir. Le péché qui te fatigue va commencer à sortir. Bois le sang de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir de vous bénir. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes au sein. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons être transparents devant l'Éternel. L'Éternel, on doit être clean devant Dieu. 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 On doit tendre vers la perfection. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on doit soigner notre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Je ne t'entends pas, hein. Je ne t'entends pas. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge. Mon refuge. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon Dieu. Mon Dieu. En qui je me confie. En qui je me confie. Car c'est lui. Car c'est lui. Qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste des ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Et une cuirasse. Tu n'éclaireras ni le terrain de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux. Tu regarderas. Et tu verras. La rétribution des méchants. Car l'Éternel est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera ses anges de te guider de toutes tes voies. Ils te porteront sur les ailes de peur de ton pied ne être contre une pierre. Tu m'as dit, je marcherai
je marcherai sur le lion et sur la spie. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera. Puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai. Et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera. Je le glorifierai. Il me rassasiera. De longs jours. Et il me fera voir son salut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis un peu fatigué. Quelqu'un peut écrire des temps. Comment tu te guéris? Depuis la longue de guerre, ça ne va. Enfin, amen. Enfin, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On est bien, enfin, amen. Alléluia. Amen. On tient au café. On tient au lacard. On tient au lacard. On tient au lacard. Fais un peu de chauffement, un peu de chauffement. Étirez-moi. Viens, commencez à tirer. Étirez-moi. Commencez à dire, toi qui es caché dans mon corps là. Va commencer à parler, toi qui es caché dans mon corps là. Toi qui me fatigue. Toi péché qui est caché dans mon corps. Quel que soit. La montagne. Avec laquelle tu es rentré. Ce matin. Là je vais commencer à dire Jésus. Tu vas sortir. Si tu as mal, il faut commencer à sortir. Parlez-lui. Mais si tu as mal, il faut commencer à sortir. Deux secondes. Comment ça veut dire? Tu sors pas. Jésus.
Seigneur Jésus, allez-vous même. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tout ce que vous devez dire, qui est là, faut te souvenir d'eux. Faut te souvenir d'eux, Seigneur. Alléluia. Amen. Ils peuvent me blaguer, mais toi, ils ne peuvent pas te blaguer. Amen. Tu connais leur cœur, faut te souvenir d'eux. Ceux qui ont menti, on les chicoté. Alléluia. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous remplisse. Amen. Que le Seigneur vous comble de joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé, ne te décourage pas. Calmez les enfants. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé, ne te décourage pas. Il faut que tu passes par ces moments-là. Il y a des situations qui vont arriver dans ta vie. Tu vas penser que tout le monde est contre toi. Mais c'est le plan de Dieu. Le Seigneur est en train de te perfectionner, il est en train de te nettoyer, il est en train de t'envoyer à un autre niveau. Il faut que tu l'acceptes. Ces situations vont toujours venir, ils vont arriver. Un enfant de Dieu doit croiser quelque chose sur la route en allant la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors il faut que tu sois forgé, il faut que tu sois durci avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a dit à Jean-Baptiste, va dans le désert. Alléluia. Amen. Va dans le désert. Jean-Baptiste dans le désert, qu'est-ce qu'il fait dans le désert? La Bible dit que c'est là-bas, Jean-Baptiste devait annoncer l'évangile. Vous savez, personne qui lit la parole de Dieu comme ça. Mais non, c'était une source d'inspiration pour Jean-Baptiste. Est-ce que dans le désert, qui habite dans le désert? On peut-il évangéliser dans le désert? Non. Le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, prépare-toi, forge-toi là-bas. Et lorsque tu seras venu, viens annoncer ma parole dans la ville. Alléluia. Mesdames, tu es encore dans ton désert. Le désert que il va te dire, ne tourne pas tôt. Alléluia. C'est en ce moment que le Seigneur veut te préparer. Alléluia. Des choses vont arriver. Il aura même la séparation de la mort. Celle même que tu aimes tes parents, ton papa, ta maman. Et le Seigneur peut venir faire la séparation pour que toi tu sois sauvé. Parce que si ces personnes sont encore avec toi, tu ne peux pas accepter le Seigneur véritablement. Il y a des situations qui vont venir. Bien-aimés, accepte-les. Accepte-les. Ceux-là même que tu appelais hier, mes frères, mes soeurs, ils vont te renier. Ça fait partie de la vie. C'est normal. Un enfant de Dieu doit passer par là. Un enfant de Dieu doit passer par là. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il appelait 12 personnes. Et les 12 personnes étaient obligées de donner don à leur famille. Alléluia. Pour faire l'œuvre de Dieu. Et il y a un qui avait dit, Seigneur, j'ai perdu mon père, laisse-moi enterrer mon papa. Il dit, laisse les morts enterrer les morts et toi, suis-moi. Bien aimé, la marche avec le Seigneur ne sera pas facile, mais je vais te dire, tiens bon. Si je te dis que c'est facile, je suis en train de te mentir. Il faut persévérer. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Jésus-Christ a donné sa vie au poteau de Golgotha pour toi, pour moi. Il n'a pas regardé à Marie, non. Il n'a pas regardé à Jacques, à Jean, non, à ses frères, à ses soeurs, non. Mais il a fait pour l'humanité. Il a fait pour que tu sois sauvé. Il a fait pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors ta marche avec le Seigneur, bien-aimé, il faut soigner ta marche. Ta marche avec le Seigneur, les situations où tu vas perdre ton travail, je ne suis pas en train de te maudire, mais je suis en train de te préparer à quelque chose, bien-aimé. Le moment viendra, et c'est sur le point d'arriver. N'abandonne jamais la main de l'Éternel. Parce qu'une maison qui a été nettoyée, cette maison qui a été nettoyée, bien aimée, la Bible dit que les démons deviendront, ils vont revenir à 7 fois, 6 fois, 90. 90 personnes vont prendre 7 démons pour venir honorer cette maison. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas faire marche arrière. Parce que ta délivrance sera encore plus pire comme avant. Alléluia. Amen. Je suis chrétien, c'est bien beau. Mais est-ce que tu as le courage de l'affronter? Est-ce que tu as le courage de l'accepter? Je parle à quelqu'un ce matin. Mesdames, les temps sont finis. Les temps sont finis. On n'est plus au temps du mariage, non. On n'est plus au temps des anniversaires, non. Les anniversaires, les gens pensent que c'est un an de plus que Dieu ajoute toute la vie. Non.
détresse spirituelle, l'anniversaire, c'est un an de moins sur ta vie. Parce que tu prends de l'âge. Parce que tu prends de l'âge, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que tu prends de l'âge. Donc lorsque un an arrive sur ta vie, ce n'est pas un an de plus, mais c'est un an de moins. Parce que tu dois partir à la mort. Et pour cela, tu dois soigner ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas célébrer les anniversaires, c'est célébrer la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu vas faire un cadeau à mon papa parce que c'est son anniversaire? Non. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Pour les messages qu'il a eu à la veillée, c'était tous les mêmes messages. Les temps sont finis. Je suis là. Je suis là. Allez annoncer ma parole. Je suis déjà là. Ce n'est pas que je vienne, mais je suis déjà là. Je suis là, mes enfants, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mais n'abandonnez pas à l'œuvre. N'abandonnez pas à l'œuvre. N'abandonnez pas à l'œuvre. N'abandonnez pas à l'œuvre. Enracinez-vous en Jésus, bien-aimé. Enracinez-vous en Jésus, bien-aimé. Les progressions vont venir. Mais ne tombez pas dans les pièges. On dit là, c'est quel Jésus même tu as accepté. C'est dans quelle église tu t'en vas. Ils vont te dire des choses pour te décourager, bien-aimé. Mais n'écoute pas. Reste focalisé sur le chemin. Reste focalisé si Jésus dit de Nazareth. Et de tout le monde, des objectifs, donc tu étais appelé, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Bien-aimé, tu vas clamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu vas clamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Le Seigneur est en train de me prendre dans une autre dimension, mais quand tu n'es pas seul, tu as ton bilan, laisse la place aux autres. Alléluia. Les bonnes choses vont commencer tout à l'heure. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia, docteur Abraham, alléluia. Il y a quelque chose de solide pour nous se montrer. Il y a quelque chose de bon pour nous se montrer. Alors, bien-aimé, si tu as ton cahier, si tu as ton vie, tu vas te sortir. Jésus. Et nous avons prié pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout, nous avons prié pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on prie pour la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, je vais te louer en ce jour. Je vais te bénir, je vais te célébrer, je vais te rendre toute gloire de ce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, éternel. C'est toi qui as fait toutes choses. Et tout ce qui n'existe pas n'a pas été créé par toi. C'est pourquoi ce matin, je vais te rendre la gloire. Seigneur, tu nous as donné la parole. Cette parole, éternel de gloire, tu nous dis, Seigneur, c'est ton épée. C'est la vie, éternel de gloire. C'est une nourriture pour nous. Seigneur, nous prions que ce matin, viens nous nourrir autant de ton serviteur, Seigneur. Viens faire tomber les écailles de nos yeux, oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, voici ton serviteur. Remplis-le encore ce matin. Et dans ses limites ce matin, oh Jésus. Remplis-le, Père, et que tout ce qui est cher à ce, dans sa vie meurt ce matin. Et que ton esprit prend le contrôle dans sa bouche pour nous enseigner ce matin. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Par ton feu, viens, Seigneur. Vous serez tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom. Les pleurs des enfants, les distractions, la douleur, soit chassée de nous ce matin au nom de Jésus. Merci pour ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Soyons tous fortifiés dans le nom de Jésus. Que la gloire vienne à celui qui est assis sur le trône. Nous n'allons pas continuer avec le même message. C'était quoi la ligne prophétique? La ligne prophétique. Nous allons continuer avec ça. On va parler de tout le même prophétique. Amen. Bon. Soufflez, on ne va pas poser des questions là-dessus. Amen, amen. Amen. Il y en a qui pendant la semaine à méditer. On ne va pas devant la face du Seigneur. Pas parce que tu regardes ton voisin dans les villes de toi. Qui pendant la semaine à méditer? Voilà. Levez bien toi avant pour voir qui pendant la semaine à méditer. Qui pendant la semaine n'a pas révisé ses missions? Qui n'a pas révisé ses missions pendant la semaine? Bien aimé, lève ton doigt. Amen, amen. Ok. Donc, prenons nos cahiers. Rassemblons nos esprits. Chacun prend son stylo. C'est bon, on peut aller. Amen. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté se dévoile sur les cieux, ton nom est infini, que ton nom est infini, mon grand, que ton nom. Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, maintenant, le thème, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme.
prêtres, une chanson des poussées. 1 Corinthiens chapitre 10 et 1 Corinthiens chapitre 1 du nom. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Pierre chapitre 3, verset 8. Et je crois bien qu'il y aura 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Ici, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Philippiens 2, verset 2. 1 Pierre 3, verset 8, 2 Corinthiens 13, verset 11. Amen. On peut aller pour la lecture. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oh! Alléluia. Je n'ai pas trouvé le Dieu. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, à la volonté de Dieu, est le vrai succès. Ça, c'est le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Verset 10. Je trouve. Je vous exhorte, frère, en le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Très bien. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je reprends. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Le verset est clair, il n'y a pas beaucoup d'interprétations là-dessus. Comprends le deuxième, Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Verset 2. Oui. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. Philippiens chapitre 2, verset 2. Je vais reprendre encore la lecture. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment.